Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike, et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'infliger des dégâts après avoir repoussé un adversaire avec l'onde de choc cinétique de Black Panther. Alors pour ce défi, vous aurez besoin du pouvoir de Black Panther. Ce pouvoir, je pense qu'il ne se trouve pas en Battle Royale. En tous les cas, moi je ne l'ai pas encore vu pour l'instant. Peut-être que quand le défi sera disponible, le pouvoir de Black Panther sera disponible aussi dans le Battle Royale. Mais sinon, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller dans un mode de jeu Marvel. Alors moi j'ai pas été dans le chaos Marvel parce que les pouvoirs sont aléatoires. J'ai préféré aller dans affrontement Marvel parce qu'en fait quand vous arrivez sur la map, il y a des pouvoirs qui spawnent sur la map. Donc ce que je vous conseille, c'est dès que la partie se lance, vous ouvrez votre parachute et là vous attendez que les pouvoirs arrivent sur la map. Et là vous allez pouvoir regarder grâce à votre petite carte où se trouve le pouvoir de Black Panther. Dès que vous l'avez trouvé, vous vous dirigez vers le pouvoir et vous essayez de le choper en premier. Alors quand vous l'avez, ce que vous devez faire pour réaliser le défi, c'est d'infliger des dégâts après avoir utilisé l'onde de choc cinétique sur un ennemi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'onde de choc a une zone d'explosion très très courte, donc il faut vraiment que l'ennemi soit à côté de vous pour l'éjecter avec votre onde de choc, et ensuite quand vous l'avez éjecté, c'est à ce moment là que vous devez lui infliger 1000 de dégâts pour débloquer les 50 000 XP. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'essayer d'attraper le pouvoir de la main de Venom. Comme ça, ce que vous faites, c'est que vous attrapez l'ennemi, ensuite vous activez votre onde de choc. Dès que vous avez touché l'adversaire avec votre onde de choc, bah là vous lui infligez des dégâts avec votre pouvoir de base jusqu'à infliger 1000 de dégâts. Comme ça vous aurez terminé votre défi. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de ce défi. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao, peace. Make bruh, y'all make bruh.